Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens à présenter toutes mes condoléances au pasteur Marcelo Tounassi, ainsi qu'à toute la communauté Église Compassion, aux frères, aux sœurs que nous connaissons qui sont dans ces assemblées-là. Je tiens également à présenter nos condoléances à toute la famille de la défunte, de notre sœur qui s'en est allée. Et je tiens également à présenter toutes nos condoléances, toutes mes condoléances aux enfants. Que le Seigneur puisse vous fortifier dans ce moment difficile, dans ce moment terrible, dans cette amputation. Mais ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est d'essayer d'expliquer ce que le Seigneur m'a donné cette nuit. Je voulais faire la vidéo cette nuit, mais la fatigue fait que je n'ai pas eu la force de me lever. Mais comme beaucoup de gens, comme beaucoup de personnes, en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, de grâce, ce départ brusque et subit nous choque, tétanise certaines personnes et nous nous posons des questions et nous nous sommes posés des questions et nous avons questionné le Seigneur suite à ce départ parce que plusieurs choses se disent. Ici, je ne viens pas salir la dépouille de la défunte, ni salir l'hommage de la défunte ou de la famille, non. Je vais donner un songe que le Seigneur m'a donné pour expliquer ce qui sans doute peut-être a pu se passer. Je dis bien peut-être, à toi de voir ça comme tu veux. Mais je me suis questionné, j'ai demandé au Seigneur et voici ce que j'ai reçu cette nuit. Donc, je ne les ai pas vus pour te dire. Je n'ai pas vu sa femme, ni lui. C'est plutôt moi qui étais l'acteur ou l'un des acteurs de l'histoire. Et je pense que c'est représentatif parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On est d'accord, selon la parole de Dieu. Mais on n'y prend point garde. Donc je t'explique dans le songe, c'est quoi? Mon épouse et moi, nous avons voyagé dans un autre lieu où nous étions comme en vacances en fait. Nous étions comme en vacances et dans ce lieu où nous étions en vacances, je ne sais pas c'était quel lieu, mais je savais que nous étions sortis de notre sphère en fait. Vous voyez? Et je voyais qu'on avait, des connexions avec des frères, des personnes de cet endroit-là. Après un moment, j'ai vu qu'on était dans un restaurant. La scène que je me rappelle le plus clairement. On était dans un restaurant, il y avait des frères blancs, il y avait des frères de toutes couleurs. Il y avait une dizaine de personnes à peu près, quelque chose comme ça. Un petit groupement de frères. Et on était en train de partager les choses de Dieu. Voilà, communier quoi. On était au restaurant en train de manger. On était voilà, dans la joie, on était heureux d'être ensemble, tu vois. Et je rappelle que je suis toujours avec mon épouse ici. Et donc, à la fin donc de cette scène-là, je nous vois à l'extérieur du restaurant où on est en train de se dire au revoir. On est content d'avoir vu tel, on est content d'avoir vu des nouvelles personnes et on se disait des choses de ce style. On est ensemble, même si on se sépare physiquement, mais on est ensemble. Maintenant, on est ensemble. Voilà, on fonctionne ensemble, tout ça. La joie, heureux de s'être vu, heureux de se laisser pour mieux se revoir après. Tu vois, le Seigneur me montre une scène assez particulière. On s'embrasse, certains frères et moi. On se dit au revoir. Pareil pour mon épouse, et dit au revoir aux autres femmes, aux frères et tout. Hein? Donc, le Seigneur attire particulièrement mon attention. Le groupe qui va à droite. Écoutez bien, le groupe de personnes, parce qu'on se sépare ici devant le restaurant. Il y en a qui vont à gauche, il y en a qui vont à droite. Écoutez bien. Donc, le groupe qui va donc à droite
Je vois, le Seigneur attire, zoom mes yeux sur cette scène-ci. Je vois un frère qui prend une guitare, qui commence à jouer un cantique. Et quand il commence à entamer un cantique, tu vois, les autres frères, ils étaient beaucoup plus nombreux qui allaient à droite que de notre côté. Nous, on était très, très peu. Tu vois, on n'était pas beaucoup. C'est-à-dire, on était deux couples, pour te dire. Bon, bref. Donc, quand le frère a commencé à jouer donc sa guitare, il entamait un cantique, un cantique merveilleux. Pas pour danser, mais un cantique très, très spirituel, tu vois. Quand il a commencé à jouer, tous les frères qui allaient dans ce sens-là entonnaient le cantique. Ils chantaient à l'unisson et ils s'en allaient. Tu vois ce que je veux dire? Ils allaient de l'autre côté. Le cantique était beau, le cantique était merveilleux. Bref, nous donc, mon épouse et moi, et un frère et son épouse, tu vois. Mais mon attention était plus focalisée sur le frère. Je ne voyais pas son épouse, mais on était plusieurs personnes comme ça. Donc, nous, on est partis à gauche. Pourquoi on est parti à gauche? Parce que nos véhicules étaient garés un peu plus loin de l'autre côté. De l'autre côté. Fallait marcher un peu plus. Eux, ils sont partis. La globalité sont partis avec eux. Et nous, on est partis en nombre restreint. Écoutez bien l'histoire. On est partis en nombre restreint vers la gauche pour aller rejoindre le parking où notre véhicule était garé pour revenir chez nous. Voilà, pour reprendre la route, quoi. Pour refaire notre voyage. Tu vois. Donc, je m'arrête ici. Je t'invite à suivre la partie numéro 2 de cette histoire afin que tu aies la globalité de l'histoire. Sinon, je n'arriverai pas à finir ici. Que le Seigneur te bénisse.